Bonjour chers investisseurs, partenaires, collègues, tous ceux qui nous regardent et nous suivent. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau sur le chantier où la construction du bureau technologique d'études et d'ingénierie Sovelmash est en cours. Il y a environ un an, nous avons fait des reportages ici et il n'y avait rien ici. Il y a eu une fosse dans laquelle des poses de béton ont été faites pour les fûts de fondation. Et maintenant, j'ai un bâtiment derrière moi, le bâtiment entier. Une année a écoulé. Est-ce beaucoup ou peu? Ça dépend. C'est différent pour chacun. Comment s'est passée cette année? Elle a été amusante. Amusante et pas ennuyeuse, mais il ne peut pas être appelé facile, parce que tout n'est pas si simple. Cependant, les obstacles sont surmontés et le bâtiment est en construction. L'argent des investisseurs est investi, ce qui est maintenant derrière mon dos est fait. C'est juste la confirmation que l'investissement est fait ici. Parce que, comme ils disent, les pyramides de Ponzi ont été construites, l'argent a été volé, mais avec de l'argent volé, il est impossible de construire. Mais néanmoins, il y a eu des retards. Nous en avons parlé, mais nous n'en avons jamais discuté de fond. Nous avons parlé du système d'autorisation, etc. Mais il est temps de parler ouvertement des raisons des retards individuels. Car sans cela, notre chantier semble trop parfait. Tout le monde dit que c'est propre, bien, parfait, mais à quel prix cela est donné? Ici, derrière mon dos, vous pouvez voir les panneaux de la partie administrative du BTEI. Gris foncé, gris clair. Ces panneaux ont causé des retards dans l'installation des structures. Pourquoi? Parce que l'usine fournisseur à livrer ces panneaux, je m'excuse, avec des souceurs. Qu'est-ce que les souceurs? Ce n'est pas ce que vous pensiez, c'est un peu différent. Le fait est que la technologie de déplacement dans l'usine prévoit la capture de ces panneaux avec des ventouses. Et un bon monsieur n'a apparemment pas suivi la pression, plutôt la décharge. Et le métal s'est déformé. Le métal s'est rétracté. Le résultat était une violation de la surface des panneaux, des défauts cosmétiques, etc. Il a fallu du temps pour résoudre ce problème. Du temps considérable. Le montage a donc été suspendu, mais comme vous pouvez le voir, maintenant la partie en verre sera montée. Les échafaudages sont érigés, les cadres sont installés, les travaux se poursuivent. Le problème est surmonté et nous sommes passés à autre chose. Et de tels problèmes sont nombreux. Allons plus loin. Nous avons donc déménagé de l'autre côté de la partie administrative du bâtiment et nous voyons ce dont nous avons parlé, la poursuite de l'installation des panneaux. Au cours de la journée d'hier, ils ont été assemblés sur presque 2 étages. Le mouvement se poursuit aujourd'hui. Demain, ce mur sera terminé. Mais c'est un problème dont nous avons parlé. Maintenant, nous allons faire demi-tour et aborder un autre problème. Voici le problème numéro 2 que nous n'avons pas montré. C'est une réalisation de la célèbre compagnie AlphaStroy, fait d'une manière magnifique, avec les technologies les plus avancées, on a creusé une fosse pour le puits de communication. Et ils l'ont creusée de telle sorte qu'elle s'est effondrée. Parce que selon les normes, 2 mètres ou plus, la pente du mur est nécessairement fixée ou c'est réalisé avec des pentes. En raison du fait qu'ils ont fait leur travail très mal, nos travaux ont été arrêtés, immédiatement arrêtés avant que cette fosse ne soit réparée. Cependant, vous pouvez y voir ce qu'ils ont fait. Démonter les plaques, les réchauffer, les enlever. Nous avons demandé pourquoi. Ils disent, nous allons faire des réseaux d'ingénierie.
C'est comme ça qu'ils l'ont fait. Entreprise AlphaStroy. Rappelez-vous ces héros. C'est comme ça qu'ils travaillent. Et cela a conduit à l'arrêt de nos travaux. Et ils veulent beaucoup d'argent pour les réseaux d'ingénierie. Vraiment beaucoup d'argent. Et maintenant, il y a une lutte avec les estimations. Parce que dans les estimations, ils ont mis pour l'exportation du sol, s'il vous plaît, montrez le sol, vous pouvez le voir ici. Donc, pour l'exportation du sol, car il y a une quantité excessive et le déversement sera effectué avec du sable, donc ils voulaient 1000 roubles pour une tonne. Je ne connais pas de tel prix, car l'exportation est mesurée en mètres cubes. Et si vous comptez leur catégorie en mètres cubes, vous obtenez 1750 roubles pour un cube. Ils ont un excellent appétit. Et ils disent encore, nous avons mis le prix idéal. Et en général, c'est le marché. Et je leur ai répondu que ce n'était pas un marché, mais un bazar. Et c'est ce genre de choses que nous devons arrêter constamment à chaque tour. Nous avons en département la direction de la construction d'immobilisation pour résoudre de tels problèmes et de telles questions se posent régulièrement et constamment. En outre, ce chantier pourrait s'arrêter à plusieurs reprises. L'une des raisons est que lorsque l'objet a été remis au client technique, nous avons passé la réception et nous avons constaté une déviation, la déviation limite de l'une des colonnes. L'ensemble du chantier a été arrêté jusqu'à ce que les concepteurs et les développeurs de la société Astron aient effectué toutes les mesures d'ingénierie et qu'il soit démontré que la déviation n'affecte pas la capacité portante de la structure. Mais l'arrêt a été grave. Et puis, ils racontent des histoires sur tout le reste. Mais ce ne sont pas des contes de fées, c'est vrai. C'est vrai, c'est ce qui nous a arrêtés. Cela concernait d'autres choses. De telles choses se produisent régulièrement. Mais le plus important n'est pas qu'elles le soient. Elles sont inévitables. L'essentiel est de savoir comment elles sont résolues. Et l'équipe a réussi à résoudre tous ces problèmes et n'a pas permis à quelqu'un d'être écrasé dans cette fosse par exemple. Il y a eu beaucoup de situations similaires, plus aiguës. Des situations tendues, mais elles sont toutes résolues. Donc ne pensez pas que tout est couvert de pétales de rose, non. Il y a des épines et encore des épines, des chardons solides. Et à travers tout cela, nous devons nous frayer un chemin. Maintenant, il y a une grande réunion sur le site. Tous les dirigeants sont rassemblés. Ils sont engagés dans la résolution des situations spécifiques, de problèmes qui se posent. J'y vais très rarement, parce que si j'y vais, c'est à moi le dernier mot. Je peux dire le dernier mot. Cela sera suivi par des mesures très strictes. Eh bien, maintenant, ce sera intéressant. Venez, montons à l'étage. Regardez, maintenant devant moi, nous sommes dans les soi-disant oreilles de Tchibourachka et devant moi, voici de tels trous. Pourquoi ces trous sont-ils remplis? Il s'agit d'un surforage du sol effectué pour vérifier la température qui est là-bas et les mesures ont montré qu'elle est négative. Par conséquent, avant de verser du béton dans toute cette pièce et de faire une pause, il sera nécessaire de la réchauffer parce qu'elle sera auto-décongelée très longtemps et cela retardera le processus de construction. À quoi ressemble l'échauffement? Nous allons voir maintenant. Alors, voici un autre trou juste devant nous. Ces mesures de température ont déjà été effectuées dans le bâtiment principal. Regardez, chers collègues. Nous avons devant nous une station qui chauffe le liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement sur les tuyaux recouverts de toile va à ce site. Et là, sous la toile, approchons-nous. Il y a des tuyaux sous les toiles. Nous allons même essayer la température avec vous. Donc c'est tiède. Voici le réchauffement du sol. Après le dégel du sol dans cette partie, le compactage du remblai après l'hiver sera effectué.
l'isolation thermique le long du contour et le remplissage de la pose. Voici maintenant devant nous. Nous allons maintenant passer et voir comment la pose est faite dans la partie de stockage. Je crois que l'on a déjà montré. Mais maintenant, elle a l'air complètement différente. Parce que si vous la regardez, déjà sans rideau, sans rien, voici, c'est notre pose. Elle est accomplie. Vous voyez ? Et nous allons joindre ici, parce que là aussi, la température a été mesurée. Et nous allons commencer à joindre. Plus important encore, nous avons maintenant avec vous la possibilité de continuer à travailler en parallèle. Nous allons maintenant venir avec vous à un endroit très intéressant. À un endroit très intéressant, vraiment. Maintenant, les caméramans vont montrer. Juste ici, à droite. C'est un endroit pour installer les transformateurs qui, avec 10 000 volts, feront en côté bas une basse tension de 0,4 kV et ils réaliseront l'alimentation. Vous voyez ici les guides sur lesquels ils rouleront. 1, 2, 3, 4 transformateurs. Il y a un dispositif de commutation. Ici, toutes les alimentations sont effectuées. Par conséquent, cette pause nous permet déjà de poursuivre ici les travaux sur l'établissement de réseaux électriques directement sur notre site. Nous avons attendu longtemps pour que cela puisse être mis en conformité. En conséquence, les armoires de commutation sur 10 kV, nous les avons déjà fabriquées, payées, les transformateurs sont sur le site. Alors, maintenant, nous allons voir une autre chose très intéressante. L'entrepôt de matériaux qui était derrière le bâtiment. Nous avons attendu longtemps, très longtemps pour le nettoyer. Mais il s'avère que le bâtiment se développe et l'entrepôt lui-même ne diminue pas pour une raison quelconque. Maintenant, le caméraman va vous montrer la vue d'ici. Ah, vous voyez combien il reste dans l'entrepôt. Cloisons, panneaux, structures métalliques, tout cela doit encore être monté dans le bâtiment. Et maintenant, nous allons monter au deuxième étage. Eh bien, nous sommes montés au deuxième étage et nous voyons ce qui s'est passé ici ces jours-ci. Dans la partie inférieure, les plantes sont déjà installées. Sur la cloison, les places de joint sont fermées par des chaperons. Les chaperons sont placés sur les portes, sur les ouvertures de travail. Par conséquent, tout devient déjà fini. Progressivement. Et en général, après l'installation des plantes, nous pouvons effectuer le remplissage de finition du sol. Maintenant, le caméraman va passer et vous montrer l'apparence. Et moi, je vais me taire.
ici, nous n'avons pas été ensemble depuis le nouvel an. Moi, j'étais là, mais on n'était pas ensemble. C'est à quoi ressemble la toiture maintenant. Auparavant, nous avons observé le mouvement ici sur la neige. Et maintenant, nous sommes déjà sur un toit solide. Il est fermé, il reste peu de travail. Ce sont principalement des travaux dans la zone du bâtiment à usage administratif et technique et partiellement dans la zone du bâtiment industriel. Néanmoins, d'ici, on peut mieux voir l'ampleur de ce qui a été déjà fait pour l'année. Malgré tous ces problèmes, nous les avons résolus. Tout ce qui était, tout est resté dans le passé. J'espère et je suis sûre que des événements plus intéressants nous attendent. Le lancement de l'installation et la première production, tout cela est entre vos mains. Et nous, nous ferons tout ce qui dépend de nous. Mais je vais me taire à nouveau et les caméramans vont vous montrer encore quelque chose. À plus tard, au revoir.